Yo les gars, c'est Sustro pour une nouvelle petite vidéo sur Tower of God. Ça faisait un petit moment. Et les gars, je me reconnecte sur le jeu parce que je vois une collaboration avec Seven Deadly Sins. Vous le savez, Seven Deadly Sins, il va y avoir, je crois, un gros jeu vidéo gacha qui va sortir. Je ferai évidemment des vidéos dessus, vous me connaissez. Mais du coup, vous voyez à gauche là la petite image, etc. Collab 7DS. Vous avez des missions. Alors si je les trouve, voilà. Une quête d'histoire, etc., avec Meliodas, avec la madame et avec Escanor. Donc c'est incroyable. Elisabeth d'ailleurs, elle s'appelle. Je vais vous montrer du coup les personnages avant qu'on aille invoquer dessus. Et je ferai peut-être une grosse vidéo invocation plus tard. Parce que là, du coup, pour le moment, les gars, on va vraiment en faire juste une petite pour découvrir un peu les persos. Et d'ailleurs, à côté de ça, il y a eu un nouveau personnage, Ron May, que je n'ai pas. Du coup, bah, on ira invoquer elle aussi. Mais du coup les gars, ils ont donné gratuitement Elisabeth. Je pense que vous pouvez tous la voir. Elle est très stylée. Très très stylée. Et on a du coup le Meliodas. Il est tout petit. Il est très stylé quand même. Il est très stylé. Et du coup en nécessaire plus, on a évidemment le gros Goat. Regardez-moi ce... Wesh. Regarde comment il est musclé le poteau. Escanor, oh lolo. Et du coup je vérifie mais normalement... Celui-là, c'est un nouveau SSR Plus, mais qu'on avait déjà vu la dernière fois. Celui-là, on le connaît, celui-là, on le connaît. Par contre, celui-là, j'ai l'impression que c'est un nouveau. Enfin bref, pas mal de nouveaux persos. Et puis en bas, il n'y en a plus, évidemment. Ok, bah les gars, vous savez quoi? C'est parti. On va faire l'invocation Seven Deadly Sins en dernier. On va commencer ici. Let's go. Alors déjà, petite moitié de multi gratuite. Oh! Ça commence très bien. Si on peut avoir le personnage direct, je dis pas non. Peut-être que la vidéo sera moins longue, mais au moins j'aurai pas besoin de dépenser mes gemmes. Attention. Tout ce que j'aime est ici. Ah, je crois que c'est un homme. Ouais. Malheureusement, c'est pas la nouvelle perso que je voulais. Mais c'est Bam, un très bon perso. Donc je valide. Ok, après on a Katan deux fois. Super. Il m'intéresse pas trop Katan. Ok, on continue. Déjà, Bam, je prends. Je prends, bien sûr. Ok, qu'est-ce qu'on va voir de beau ici? Pour l'instant, il n'y a pas d'animation. Ah, ok, j'ai l'impression qu'on ne va pas avoir d'SSR, malheureusement. Et effectivement, Serena, Nyanya, Chongyun, enfin voilà, deux petits persos, Murch, Yeo, Premier Empereur. Stylé, stylé, mais pas de perso qu'on veut, donc on continue. Je ne m'arrête pas tant que j'ai pas le nouveau perso, nice. Ok, là on a un SSR garanti. Oh lolo. Et... Oh, il y en a deux! On en a deux! OMG! Oui, c'est incroyable, attends. La flamme de notre famille ne s'éteindra jamais. Donc ça, c'est Sion, je crois. Ok, nice. Je la joue aussi, c'est parfait. Nice! Ah non, c'est pas Sion, c'est Yeon. Oh, une deuxième fois, what the fuck? Bon, en vrai, je prends. Hein. En vrai, je prends. Elle va être grave cheatée comme ça. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est pas le nouveau perso, encore une fois. Surtout que le nouveau perso, mec, je l'ai mis en premier dans ma wishlist. Je vais vous remontrer, mais regardez, elle est en première là. Ça veut dire que j'ai plein de chances de l'avoir. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on continue. Let's go. Attention. Oh, encore, mais mec, c'est une dinguerie, frère. Pourquoi j'ai autant de chance comme ça? Ok, ça se transforme déjà en doré. Donc, est-ce qu'il y en a deux? Ouais, il y en a trois! What the fuck, les gars, ils ont augmenté les taux? Je vois grand dans la vie. C'est elle, non? Ouais, c'est elle, j'en étais sûr, let's go! Ok, bah super. Le nouveau perso, les gars. Magnifique. Ron May, chien enragé. Ensuite, on a qui? Est-ce que c'est la Madame Rouge? Ah non. Bah, lui ou elle, je ne l'avais pas. En tout cas, en haute constellation. Parce que je l'avais déjà, bien sûr, Rachel. Et là on a qui? C'est pas le mec avec son épée? Oh nice, ok. Et bah vous savez quoi? À part Rachel, on a eu que des persos incroyables. Et 3 SSR dans la même multi, ça c'est un banger mec. 3 SSR frère, je sais pas si vous vous rendez compte. 3 SSR. Je me demande s'ils ont augmenté le taux mais bon. Et du coup le nouveau perso qui était là, j'aurais même pu faire une single, je l'aurais eu. Ok, laissez-moi voir du coup le taux. Ça m'intéresse. Ah oui, c'était là. Donc on a 4% de chance d'avoir un SSR. Ok. 4%.
mais 0,022. Comme quoi, les taux, ils sont pas si énormes, donc on a vraiment eu pas mal de chance. Ok, bah c'est super, les gars. Hop, vous permettez d'ailleurs que je récupère des petites récompenses à droite, à gauche, boum, pour essayer de gratter des gemmes, des trucs comme ça. Hop, bon, je crois que c'est à peu près tout. Et dans la boutique, je crois que dans les passes, on peut avoir des tickets aussi. Ok, magnifique. Ok, on y retourne. Et du coup, cette fois, les gars, invocation 7 Deadly Sins. On va pas faire 30 par 30, on va faire 10 par 10. Comme ça, on y va chill. Sachant qu'on en a que 50. Ok. Je connais plus l'animation parce que je crois qu'ils l'ont rechangé depuis la dernière fois. Très stylé. Mec, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Non, oh, ils ont changé, il n'y avait pas lui la dernière fois. This way, this way. Attention. Oh, j'y ai cru, les gars. Vous y avez cru aussi, arrêtez. On y a cru. Mec, le fond était tout noir. Laissez-moi voir les pourcents de drop. Ah ouais, on a 2,5%. C'est pas énorme, 2,5%. C'est pas énorme. Mais c'est possible. On continue. De toute façon, je pense, les gars, honnêtement, que je ferai l'événement, je pense. Je vais essayer de me connecter peut-être un peu tous les jours. Je vais faire l'événement pour avoir un max de tickets et pouvoir invoquer superbement cette bannière. Bon, attends, on va skip parce que c'est un peu long. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Meliodas. Oui, nice. On a Meliodas. Let's go. Oh putain, je viens de le dire en plus. Oh mec, cette vidéo se déroule super bien. Se déroule, se dérouille. Nice, Meliodas, chaîne maudite. Il est très stylé. Dites-moi dans les commentaires si je devrais regarder l'animé, les gars. Parce que ouais, je l'ai jamais regardé, j'avoue. Oh les gars, je suis trop content. Et puis pour la dernière multi, vous savez quoi, on va faire 30 par 30. Il n'y a pas de souci. C'est one shot comme ça. On perd pas de temps. Hop. Du coup, ouais, j'ai jamais regardé l'animé, les gars. Bien sûr, je connais l'univers et tout, c'est très connu. Mais jamais regardé l'animé. Donc peut-être un jour. Même si en attendant, je termine Mashle. Je termine Mashle, les gars. En plus, il y a une nouvelle saison de Mashle, mec. J'ai trop la haine. Je viens de commencer la saison 1. Il y a déjà une saison 2 qui sort. Mec, il me laisse pas tranquille le jeu. C'est pas grave. Allez, attention. Attention, là, on a fait 30 par 30. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Oui? Ok, nice. Bah, c'est Elisabeth. Ok, bah, super. Wouhou! Elisabeth. Bon, au moins, vous voyez l'animation, parce que tout à l'heure, quand je l'ai récupérée dans la boîte aux lettres, eh bah, vous n'avez pas vu l'animation, malheureusement. Donc, au moins, vous la voyez, l'animation. Ok, bah, c'est super, les gars. Je serai content. On a eu tout ce qu'on voulait. Il ne manquera plus que le Goat Escanor, qui est très stylé. Et puis, ça sera fini pour cette fois. Ça sera fini. Moi, j'espère que si vous aurez plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre code créateur sur les jeux Epic Games. Et puis sur ce, ciao! Et le commentaire pour le référencement.